photographers to clear the way for the official ceremony to kickstart. Thank you. Good morning to you all. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus à cette cérémonie officielle du lancement. Congrès panafricain de l'histoire. Thank you.
force mentale, it's a stamina. Black c'est le courage, man. Black positivity, Papa Mandela. Black c'est la puissance, Black punch, Ngano, Ngano, Despano. Black qui nous sont bénis, Mazamosa from Africa. Martin Luther King, Barack Obama. Usain Bolt, Gibril, Selassie. Bob Marley, Manu Dibango. C'est J. Walker. Gagne ta place comme Rosa Parks. T'as si d'angoué à blanc, beaucoup, y'en a beaucoup. Écoute la musique qui résonne, Cesaria et Bora. Africa, tu es en moi, tu es ici et tu es là-bas. Écoute le cœur des gens qui bat. Dans l'amour, il n'y a que toi et moi. Africa et ses diasporas, des nègres marrons à Sankara. Dans les combats, il y a la foi, dans Pateba à Makeba. L'histoire s'écrit au présent, avec les vrais panafricains. Un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Sans complexe, juste une génération consciente. Fan, Master Just et Barabbas, c'est notre groupe le plus célèbre à travers l'Afrique, mais pas seulement, bien au-delà, à travers le monde. Je voudrais que vous applaudissiez pour Agbaja, le premier groupe traditionnel, et Toufan. Et ce titre-là, Black Power, est une exclusivité, n'est-ce pas Charlotte? C'est une exclusivité. Il sera sur le prochain album de Toufan qui sort dans 15 jours. Congratulations once again to Toufan, this Togolese group that right now performed exclusively this their latest song that you will all, we shall all discover on their new album, which will precisely be revealed in the next few weeks. Madame la Première Ministre de la République du Togo, mesdames et messieurs les membres du gouvernement togolais, mesdames et messieurs les ministres des délégations étrangères, mesdames et messieurs les ambassadrices et les ambassadeurs, mesdames et messieurs en vos grades égalité, éminente assemblée, merci d'être avec nous, d'être nos hôtes pour cette journée historique d'annonce, de lancement du 9e congrès panafricain Lomé 2024. Yes, Claudicia, allow me to say the same thing in English because here we are, Francophones and Anglophones. So Your Excellency, Mrs. Victoire Tomegadogbe, Prime Minister of Togo, representing the Head of State, His Excellency Faure Sozinam Nyasingbe, the Togolese Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and Togolese of Abroad, His Excellency Professor Robert Dossé, Honorable Ministers of State, members of the diplomatic corps, distinguished delegates, ladies and gentlemen, you are all welcome once again to this 9th Pan-African Congress of Lomé. And I am pleased and honored to host this historical event with you, Claudicia. Ce rendez-vous du lundi 22 mai 2023, et je le répète, est un moment historique. Ce n'est pas une cérémonie de plus, ce n'est certainement pas un moment de divertissement. Ce jour est l'affirmation de nos ambitions, de notre détermination et celle de nos populations à construire un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Today, Monday, 22nd May 2023, will be memorable. Believe me, because the history will remember. Years after that, it was here in Lomé, the capital of the Togo Republic, that this conference has been launched. So yes, we will all work hands to hands and create and build this united country, this continent of ours, Africa. Ce 9e congrès panafricain est né de la volonté des acteurs politiques, économiques, sociaux et du monde de la culture. Il est temps que les paradigmes changent. Il est temps de s'unir pour bâtir et grandir ensemble. Il est temps de s'unir pour agir et enfin réussir ensemble. Tournons la page, justement. Abolissons les derniers résidus nocifs du complexe hérité des périodes esclavagistes, colonialistes, néocolonialistes. Car finalement, nous en sommes toutes et tous certains, un autre monde est possible. Of course, and we are here for that, Claudissa, to all agree. One word to create Africa of us, to rewrite our history to the future generations. C'est bien ce panafricanisme flamboyant qui nous anime de Port-au-Prince à Addis-Abeba, de Kingston à Kinshasa, de Djobourg, Excellence, de Djobourg à Rabat, de Bamako à Sao Paulo, de Cayenne à N'Djamena. Alors de ce panafricanisme-là, beaucoup en parlent, s'en servent, et très peu connaissent les premières grandes figures du panafricanisme. Liste de quelques grandes figures du panafricanisme. Joseph Firmin en ténor. Liste de quelques grandes figures du panafricanisme. Joseph Firmin en ténor, 1850 à 1911, Haïti. Il réévalua le rôle essentiel des cultures africaines dans l'histoire de la civilisation, des Égyptiens à la première république noire d'Haïti. Marie-Joseph Benoît d'Artagnan Sylvain, 1868 à 1915, Haïti. L'un des pionniers du panafricanisme. Très actif auprès des afrodescendants étudiants en France, notamment les Haïtiens, Benito s'attacha à faire le lien entre les afrodescendants et les Africains, dans un esprit de résistance au colonialisme européen qui, dans son esprit, n'était qu'une nouvelle forme d'esclavage. William Edward Bogart Du Bois, 1868 à 1963, USA. Il fut un fervent défenseur du panafricanisme et aida à l'organisation de plusieurs congrès panafricains pour soutenir les demandes d'indépendance des colonies africaines. Marcus Mosia Carvey, 1887 à 1940, Jamaïque. Précurseur du panafricanisme, il se fait le chantre de l'union des Noirs du monde entier à travers son journal The Negro World et le promoteur obstiné du retour des descendants des esclaves noirs vers l'Afrique. George Padmore, 1902 à 1959, Trinité et Tobago. Élu membre du Comité international des travailleurs noirs, George Padmore contribue à l'organisation du Congrès panafricain de Manchester en 1945. Kwame Nkrumah, 1909 à 1972, Ghana. En plus de revendiquer l'indépendance immédiate de l'Afrique, il prône la formation d'une identité supranationale, les États-Unis d'Afrique, qui permettrait au continent de devenir l'une des plus grandes forces du monde. Cheikh Anta Diop, 1923 à 1986, Sénégal. Dès 1947, il s'est engagé politiquement en faveur de l'indépendance des pays africains et de la constitution d'un État fédéral en Afrique. Ahmed Sékou Touré, 1922 à 1984, Guinée. Le premier régime dirigé par le président Ahmed Sékou Touré est une figure de proue du panafricanisme, portant le combat de la décolonisation puis de l'unité africaine jusqu'aux plus hautes instances internationales.
Gamal Abdel Nasser Youssien, 1918 à 1970, Égypte. Pour avoir participé aux différentes conférences organisées par Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser va jouer un grand rôle dans la création de l'Organisation de l'Unité Africaine, OUA, actuelle Union Africaine, UA. Patrice Lumumba, 1925 à 1961, RDC. Fondateur en 1958 du mouvement national congolais MNC d'inspiration socialiste et panafricaniste, Patrice Lumumba devient Premier ministre du Congo le 23 juin 1960. Jomo Kenyatta, 1894 à 1978, Kenya. Dirigeant nationaliste africain, adversaire de la colonisation britannique au Kenya. Il a beaucoup lutté pour la solidarité anticoloniale et l'unité africaine. Nelson Mandela, 1918 à 2013, Afrique du Sud. Il a été le porte-étendard de la lutte pour les droits humains dans le monde entier et symbolise la lutte contre le racisme et pour la paix. Sylvanus Epifanio Kwame Olympio, 1902 à 1963, Togo. Père de l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio fut un grand panafricaniste et un pionnier de la CDAO. Modibo Keïta, 1915 à 1977, Mali. Militant panafricaniste et tiers-mondiste, pionnier du non-alignement, Modibo Keïta fut un fervent soutien des mouvements d'émancipation et un défenseur distingué de la paix entre les peuples. Aimé Césaire, 1913 à 2008. En septembre 1934, Césaire fonde avec d'autres étudiants le journal L'étudiant noir, dans lequel apparaît pour la première fois le terme négritude. Un concept forgé en réaction à l'oppression culturelle du système colonial français. Paulette Nardal, 1896 à 1985, France. Son objectif est de créer entre les Noirs du monde entier, sans distinction de nationalité, un lien intellectuel et moral qui leur permette de mieux se connaître, de s'aimer fraternellement, de défendre plus efficacement leur intérêt collectif et d'illustrer leur race. Thomas Isidore Noël Sankara, 1949 à 1987, Burkina Faso. Thomas Sankara est une icône du panafricanisme et du tiers-mondisme. Anti-impérialiste, Sankara a beaucoup prôné une politique de rupture avec l'Occident, d'émancipation et d'unité des peuples africains. Franz Fanon, 1925 à 1961, France. Issu de descendants d'esclaves africains, Fanon a marqué profondément, en son temps, la pensée de l'anticolonialisme partout dans le monde. Julius Nyerere, 1922 à 1999, Tanzanie. Père de l'indépendance de la Tanzanie, Julius Nyerere soutient l'unité africaine. Selon lui, sans unité, les peuples d'Afrique n'ont pas de futur, sauf comme perpétuelles et faibles victimes de l'impérialisme et de l'exploitation. Muammar Kadhafi, 1942 à 2011, Libye. Tout au long de son règne, le guide libyen Muammar Kadhafi défendait les mouvements nationalistes africains qui luttaient pour l'indépendance de leur pays. Il a placé les affaires africaines au centre de sa politique. Et bien sûr, mesdames et messieurs, parce que nous parlons du panafricanisme, nous allons nous souvenir ce lundi 20 mai 2023, ici même à Lomé, au Togo, lors de ce lancement du 9e congrès panafricain, de celui-là même dont le pays a vu naître la première institution continentale africaine formée au lendemain des indépendances. Je veux parler de l'organisation de l'unité africaine OUA, devenue en 2002 l'Union africaine UA, dont le siège se trouve à Addis Abeba. Mesdames et messieurs, je vous parle bien sûr de cette figure emblématique du panafricanisme, l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier. Nous avons vu tout à l'heure dans cette vidéo des quelques figures
parce qu'on pourrait y ajouter d'autres grandes personnalités. On a commencé par Haïti, par de grandes personnalités, de grands noms haïtiens. Et le dernier et unique voyage, d'ailleurs, d'Haïlé Sélassié en terre haïtienne, c'était en 1966, donc hommage au Négus. Et puis, on a bien vu également, dans cette série de portraits, d'illustres, qu'il manquait les femmes, et finalement très peu de femmes. Alors cela ne veut pas dire évidemment que les femmes n'ont pas pris part, même été en tête de tous ces combats-là pour la liberté, pour la dignité. Simplement, parfois, l'histoire est écrite par les hommes, et il est important aujourd'hui de rétablir la vérité. Tout à l'heure, je vous raconterai l'histoire d'une femme extraordinaire que les livres d'histoire ont malheureusement oublié. Mais tout de suite, nous allons recevoir une grande dame. Mesdames et messieurs, j'ai l'insigne honneur d'inviter à présent à prendre la parole pour une allocution d'ouverture Madame le Premier ministre du Togo, Son Excellence Madame Victoire Doméga Dogwe, représentant le président de la République togolaise, Son Excellence Faure Essozimna Niasingbe. Madame le Premier ministre du Togo, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les ministres du gouvernement togolais et des gouvernements des pays frères, mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, mesdames et messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique, consulaire et représentants des organisations internationales, distingués invités, chers participants qui nous suivez d'Afrique et dans le monde, mesdames et messieurs, je rends grâce à Dieu et aux mânes de nos ancêtres pour la tenue de la présente cérémonie de lancement. Nous nous tenons sous leur protection, fiers de nos racines et de nos croyances qui forgent une partie de notre identité africaine. Mesdames et messieurs, plus d'un siècle après la première conférence panafricaine tenue à Londres en 1900 et le premier congrès panafricain de 1919 à Paris, nous voici réunis pour procéder au lancement du 9e congrès panafricain dans un monde en mutation multiple. Il s'agit d'un rendez-vous en terre africaine, aux confins de deux mondes, celui de l'Afrique et celui des Afro-descendants. Chers frères et sœurs, soyez donc les bienvenus en terre togolaise, plus précisément à Lomé, notre belle capitale, Ouézon. Gabité à tous. Les congrès panafricains organisés constituent une séquence historique où les Afro-descendants de la diaspora et des Africains de l'Afrique ont, dans un élan de solidarité, fait avancer la cause de la liberté et de la dignité universelle. Le contexte économique et politique de nos jours constitue une opportunité historique pour nous, Africains et personnes d'ascendance africaine, de prendre conscience de nos forces, de nos richesses diverses et du rôle que nous devons tous jouer
dans l'émergence de nos pays. Notre constat, mesdames et messieurs, est que la place faite à l'Afrique, aux Africains et aux personnes d'ascendance africaine est insuffisante pour nous permettre de jouer pleinement notre partition dans la gouvernance mondiale. Nous avons besoin de compter sur chaque fille, sur chaque fils africain et afro-descendant, d'ici et d'ailleurs, pour donner un élan nouveau à la pensée fondatrice du panafricanisme. Il nous faut tourner la page. Il nous faut unir nos forces pour avancer et accélérer la marche vers le progrès. Nous devons donc tous travailler. Travailler, par exemple, à notre souveraineté alimentaire pour éviter de subir, par exemple, les conséquences néfastes d'événements que nous ne maîtrisons pas. Et nous voudrions saluer à cet égard les ambitions et les actions conduites par tous nos pays sous le leadership de nos chefs d'État pour l'opérationnalisation effective de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZEDECAF, car nous sommes convaincus que si nous n'augmentons pas notre poids économique, notre poids politique ne saurait être plus significatif que les affaires du monde. Nous voudrions également reconnaître ici le lien privilégié que nos frères africains de la diaspora et les afro-descendants des Caraïbes, du Pacifique, du continent américain et d'ailleurs ont avec l'Afrique. Ils sont le symbole de la richesse culturelle et humaine de l'Afrique et nous savons le rôle que les diasporas et les afro-descendants ont joué dans l'émergence et le parcours historique du panafricanisme. Avec ce 9e congrès panafricain, mesdames et messieurs, nous espérons poursuivre le travail commencé dès le 20e siècle afin de remobiliser les Africains d'Afrique et toutes les personnes d'ascendance africaine qui se reconnaissent dans ce humanisme et si caractéristique du combat panafricaniste. Pour finir, je voudrais rappeler que les 5 premiers congrès furent tous organisés en dehors du continent africain, par la diaspora et les afro-descendants. Puis il y eut le 6e congrès de Dar es Salaam en Tanzanie, le 7e à Kampala en Ouganda et le 8e congrès tenu à Johannesburg en Afrique du Sud et à Accra au Ghana. Ces congrès ont tous connu une participation exceptionnelle des diasporas et des afro-descendants. Grâce à votre mobilisation et à nos efforts concertés, ce 9e congrès de Lomé, que j'ai l'honneur de lancer au nom de Son Excellence, M. Faure et Sœur Dinanya Singbe, président de la République, chef de l'État, entrera lui aussi dans l'histoire. Vive l'idéal panafricain. Vive la solidarité et la fraternité africaine. Vive l'Afrique et ses diasporas. Je vous remercie de votre aimable et fraternelle attention. Madame Victoire Tomega Dogbe, Son Excellence, Madame le Premier ministre de la République du Togo, merci infiniment pour vos mots. Merci infiniment pour cet engagement du pays. And yes, we thank you very much, Your Excellency, Mrs. Victoire Tomega Dogbe, the Prime Minister of Togo. And yes, today, many among women are making a difference. They are drawing, they are daring, emancipated, and showing leadership in different fields of activity, even in politics. This is because all the women have shown the way with dignity and pride. Many of them have carried great vision for Pan-Africanism, and I think there is something coming about it. C'est ça. Si aujourd'hui des femmes et des hommes peuvent se saisir justement d'un panafricanisme, si
elle et il ne craignent plus et se dressent face à d'anciennes tutelles, à d'anciens pouvoirs. C'est parce que d'autres auparavant ont posé les bases d'un panafricanisme visionnaire, concret, pragmatique, au nom de la liberté et de la dignité. Alors, voici quelques épisodes marquants, un résumé du panafricanisme. Regardez. Le panafricanisme, c'est une idée révolutionnaire. L'idée d'unir les peuples du continent et des diasporas africaines autour d'un projet politique commun. Le panafricanisme englobe tout ce qui est africain. Cette idée a vu le jour en Europe, plus précisément parmi les diasporas noires qui vivaient, travaillaient ou étudiaient au cœur des grands empires coloniaux. Nous sommes en 1900. Henry Sylvester Williams est révolté par les expositions coloniales qui se succèdent à Londres et il comprend très vite que la domination coloniale de l'Afrique est directement liée à la domination que subissent les Noirs dans les Caraïbes et dans les Amériques. Pour lui, il est urgent de faire front commun. Il est persuadé que la réponse au colonialisme doit être panafricaine. Il faut comprendre qu'à l'époque, les Noirs ne sont pas libres de leur mouvement. La majorité d'entre eux sont des colonisés qui doivent avoir l'accord de leurs colonisateurs pour se déplacer. La seule manière de réunir des Africains du continent et des diasporas à cette époque, c'était de profiter d'un événement international comme une exposition coloniale. L'idée de panafricanisme séduit immédiatement la presse noire qui émerge en Amérique du Nord et dans la Caraïbe. Marcus Garvey en fait une des bases de son mouvement, l'UNIA, qui vise à la libération des Noirs du monde. Mais la Première Guerre mondiale force à mettre en pause les réflexions. Après la guerre, les Africains se concertent. Sous l'impulsion de l'Américain W.E.B. Du Bois, à la tête de la NAACP, ils espèrent pouvoir créer un État indépendant gouverné par les Africains au cœur de l'Afrique. Mais les Occidentaux préfèrent se répartir les colonies allemandes et maintenir le colonialisme plus fort que jamais. Suite à cet échec, le tout premier congrès panafricain est organisé en 1919 à Paris. Il est organisé par les Américains W.E.B. Du Bois et Ida Gibbs Hunt. On y retrouve Blaise Diagne, Gratien Candas et Charles D.B. King. Un deuxième congrès est organisé à Londres en 1921. Les participants y rédigent le Manifeste de Londres, dans lequel ils s'organisent pour racheter des terres africaines et les soustraire à la domination européenne. Mais ce manifeste est aussi le point de départ de conflits entre différents courants de pensée parmi les Noirs de l'époque. Entre les Afro-Américains, on distingue les partisans de l'intégration et ceux du séparatisme noir. En Afrique, certains soutiennent la mission civilisatrice alors que d'autres revendiquent les valeurs africaines. Dans les Caraïbes, certains se sentent supérieurs aux Africains, alors que d'autres cherchent à retrouver leurs racines. Une chose est sûre, les congrès panafricains sont des espaces parfaits pour confronter la complexité des projets des Noirs du monde. En 1923, le troisième congrès se tient discrètement entre Londres et Lisbonne. Le quatrième congrès aura lieu à New York en 1927. Le cinquième se déroule à Manchester en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. Le temps est au changement. Les peuples africains réclament leur indépendance. Le Ghana devient indépendant en 1957. Et immédiatement, Kwame Nkrumah convoque une série de conférences intitulées All African People's Conference. L'objectif est clair, redéfinir le panafricanisme depuis le continent, loin de la pression et du calendrier politique occidental. Le sixième en 1974 à Dar es Salaam en Tanzanie, le septième en 1994 à Kampala en Ouganda, et le huitième sera divisé en deux versions, une en 2014 à Johannesburg et l'autre en 2015 à Accra sur fond de conflit autour de la place de l'Afrique du Nord dans le projet panafricain. Aujourd'hui, la circulation des Noirs sur la planète reste extrêmement restreinte par l'organisation du monde créée par les anciennes puissances coloniales. Mais jour après jour, l'Afrique se libère des zones d'influence françaises ou britanniques. Les afrodescendants des diasporas font entendre leur voix malgré leur minorisation politique. 10 ans après le dernier congrès panafricain, une question centrale se pose. Où aura lieu le prochain congrès panafricain? Il aura lieu à Lomé. Je demande d'applaudir, s'il vous plaît, Lomé, toutes celles et tous ceux qui sont au cœur de cette organisation. Thank you.
l'ensemble folklorique Talkout de Dapaang. Je vous demande de les applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Célébration d'un passé très présent, la tradition, très inspirant aussi, comme le sont toujours nos traditions. De belles traditions en Afrique que nous partageons tous. Mesdames et messieurs, alors que se poursuit cette cérémonie de lancement officiel du 9e congrès panafricain de Lomé, je vous invite à présent à suivre en vidéo présentation le discours de Dr Monique Nzansaba Gagnoua, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Ladies and gentlemen, it gives me a great pleasure to introduce to you Dr Monique Nzansaba Gagnoua, vice-president of the Commission of the African Union, as she gives out her speech through this video. Excellence, professeur Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères, intégration régionale et togolais de l'extérieur et président du Haut Comité de la décennie. Excellence, les ministres, membres du Haut Comité, distingués délégués, notre communauté de la diaspora, mesdames et messieurs. Au nom de la Commission de l'Union africaine, je tiens à vous remercier, vous, le gouvernement et le peuple de la République togolaise, pour la réussite de cet important lancement. À cette occasion, nous saluons avec une haute appréciation les efforts et les progrès accomplis par la République togolaise pour mettre en place le Haut Comité chargé de l'agenda de la décennie des racines et diasporas africaines, dont la 5e réunion virtuelle s'est tenue le mois dernier. As African unity turns 60, and as we work to realize the vision of Agenda 2063, I must emphasize the importance of the diaspora as a stakeholder. As Africans, we have a unique opportunity to harness what was implemented to impede our progress to achieve the exact opposite. My brothers and sisters of African descent, we would not be here today, 60 years later, had it not been for your efforts. Your role is earmarked in our Agenda 2063 Aspiration Number 5, which calls for an Africa with a strong cultural identity, common heritage, shared values and ethics, featuring Pan-Africanism and consciousness of African peoples and her diasporas. As we close off the first 10 years of the implementation of this agenda, Agenda 2063, and look to the second 10 years, I challenge you to see how you can be part of this important process. We need you. I'm delighted, my dear brother, Professor Dussé, Honorable Minister of Foreign Affairs of Togo, to take part in this ceremony. It's great to see the commitment by our member states to realize the wishes expressed in the recent Assembly of the Union. The mandate is clear and could not be more timely to launch this process in May, as the continent, crowned by the African Union, celebrates its 60-year journey towards African unity on 25th of May.
Your Excellency, Professor Robert Dussey, Excellences, launching the process of convening the 9th Pan-African Congress starts in 2023, the year whose theme for the African Union is accelerated implementation of the FCFTA. This is a serendipitous coincidence. The ambition of the Pan-Africanism now meets the realistic and impactful objective of operationalizing the free trade area across our dear continent. Political aspiration is now further solidified with economic interests. Our economic liberation now is a continuation of political decolonization. Monsieur le Président, Excellences, distingués participants, les décisions de l'Assemblée nous donnent la base solide dont nous avons besoin pour réfléchir sur le thème de notre prochain congrès africain. Nous commençons aujourd'hui et nous avons une année entière pour travailler dur pour sa réalisation. Nous avons pleinement confiance en votre leadership, Monsieur le Ministre, et sommes assurés du dévouement de la Commission de l'Union africaine à cet égard. Je vous remercie. Son Excellence Madame Monique Sanza Baganwa, vice-présidente donc de la Commission de l'Union africaine. Nous avons entendu parler d'inspiration, de propos inspirants. Nous avons entendu Madame la Première ministre. Nous venons d'entendre la représentante de l'Union africaine. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'histoire laisse parfois penser que les femmes sont absentes de tous ces combats, et évidemment, c'est faux. Je voudrais rapidement vous raconter l'histoire extraordinaire et tragique d'une femme de la Guadeloupe en 1802. Elle s'appelait Solitude. En 1794, la France abolit l'esclavage dans ses colonies. Et durant 8 ans, la Guadeloupe connaîtra, les anciens esclaves connaîtront, des moments de liberté. En 1802, Napoléon Bonaparte décide de rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti et la République dominicaine, et donc de rétablir l'esclavage à la Guadeloupe. La Martinique s'étant mise sous tutelle anglaise pour ne pas avoir à abolir l'esclavage. Parmi l'armée française, il y a des officiers noirs, nés esclaves. Les deux plus illustres s'appellent Louis Delgrès et Ignace. En 1802, ils refusent l'ordre inique de Napoléon Bonaparte de rétablir ce crime à la Guadeloupe, c'est-à-dire de remettre les fers à des peuples qui, durant 8 ans, étaient libres. Avec 300 de leurs soldats, Delgrès et Ignace se battent. À court de munitions, ils sont obligés de se replier. Et plutôt que d'être capturés, ils préfèrent se suicider. L'expression que nous connaissons toutes et tous, la liberté plutôt que la mort, la liberté plutôt que la captivité, nous la devons à Louis Delgrès. Ils se suicideront, les survivants seront remis en esclavage, mais dans ce combat, il y a une femme extraordinaire. Elle aussi combat. Elle s'appelle Solitude. Et Solitude, lorsqu'elle est capturée, est enceinte. On attendra qu'elle accouche pour que son enfant soit esclave. Elle sera torturée, suppliciée, puis exécutée en place publique pour l'exemple. Elle s'appelait Solitude. Yeah.
Et alors qu'aujourd'hui, nous saluons la mémoire de ces grands hommes qui ont laissé leurs âmes, leur vie, qui ont été tués au nom d'un combat pour libérer leur pays, nous n'allons pas également oublier toutes ces femmes, toutes ces solitudes dans le monde, ces Amazones africaines qui ont également combattu aux côtés des hommes pour obtenir l'indépendance de leur pays. Merci infiniment, chère Charlotte. Accueillons maintenant une autre femme de conviction et d'engagement. Sa réputation l'a précédée et hier soir, j'ai pu constater ses engagements et sa détermination à changer le monde, à changer notre monde, à faire avancer notre Afrique et ses diasporas. Je vous demande d'accueillir Son Excellence Madame Grace Naledi Mandisa Pandor, ministre des Relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud. Thank you very much, Program Director, and may I congratulate both of you for the manner in which you're conducting this meeting. I think you've obviously done your homework very, very well and understand the history associated with this particular endeavor, and we thank you for that. Allow me to recognize, in his absence, the Head of State of the Republic of Togo, His Excellency, President Nasingbe, and also to recognize Her Excellency, the Prime Minister. Madam Prime Minister, we feel so honored that you are with us today because our heads of state and heads of government ignore us all the time. We are so glad to have your support. His Excellency, my colleague, Professor Robert Doucy, His Excellency, my colleague, Minister Jean-Claude Gakoso, Minister of Foreign Affairs and Cooperation of the Republic of the Congo, fellow members of the High Committee on the Decade of African Roots and Diaspora, colleagues connecting virtually, Excellencies, ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen, I wish to begin by congratulating the leadership of the Republic of Togo for committing time and resources to ensuring practical action in realizing one of the goals on our Agenda 2063 of the African Union. This is the goal of uniting African people and uniting them wherever they are, not just in Africa, but wherever we are. This is our own organization's key goal. I wish to congratulate my colleague, Professor Doucy, for indefatigably leading this initiative on African roots and diaspora. The objective of close collaboration among Africans living in Africa and the millions of our brothers and sisters living in the diaspora is a critical task that we must pursue vigorously. In this year, we are celebrating 60 years since the formation of the Organization of African Unity in 1963. At that time, leaders of an Africa striving for freedom and independence met in Addis Ababa. They had great hopes for what would become an independent Africa. President Nkrumah, who clearly understood Pan-Africanism, called at that time on Africa to strive to move beyond political freedom to economic and cultural freedom. 60 years later, we still aspire
for these objectives, and we must achieve them. The greatest task achieved by the Organization of African Unity was to lend its full dedication to the emancipation of our continent, to the ending of colonialism and racism on our mother Africa. The Organization of African Union's support for the freedom struggle of the people of South Africa against apartheid was an example of what can be achieved if we work in unity. And the time has come for us as Africans to realize that we must work together to move forward. And we should forget the influence of negative external forces and not allow them to divide us. We must unite to address our challenges. All of you would recall that in the early part of the 20th century, a group of African leaders, of intellectuals, and civil rights leaders in the diaspora came together for the first Pan-African Congress to discuss the condition of Africans and of Africans in the diaspora. At that time, in the early 20th century, they envisioned a connected African community working in close alignment to reverse the negative effects of colonialism and imperialism. Their view was that African unity was essential for African progress. We have a large diaspora scattered all over the world, and it is pleasing that our own African Union recognize the diaspora as the sixth region of Africa. The work that is being led by the Republic of Togo and by Professor Dusi is especially important and globally significant, as it is intended to establish these connections and to use African unity to advance our collective development. So our business is not merely the organization of a very important conference. It is to build bonds of action between ourselves located in Africa and our diaspora all over the world, so that in unity we change our condition. We have to utilize this moment and this work to make a decisive break with our present condition of poverty, of lack of development, of low skills levels, and of weak industrial capacity. So whatever we do out of this conference, it must result in practical action that addresses all the inhibitions to our progress. Of course, today, as we plan this conference, we are working in a much more improved environment. We have the African Continental Free Trade Area, the development and blueprint for a stronger African Union. We have a more democratic and prosperous Africa. And we have a strong commitment, as we show today, to African identity and a new African consciousness. We are pleased as South Africa to have been included in the high-level panel and to be given an opportunity to play a role in shaping the work and agenda of the 9th Pan-African Congress. And we look forward to working with the government and people of the Republic of Togo to realize and create a better Africa and better world. Whilst the founding principles of what we must achieve remain essentially the same, the world has evolved significantly, and perhaps in the past year and a half in radical ways. In our view, we believe it is vital that the Congress's themes are relevant to the times we find ourselves in.
We believe that the Congress must focus on increased foreign direct investment into Africa on terms defined by Africans and not someone else. We believe that the themes must include increased market access for African products and strong implementation of the African Continental Free Trade Area. We believe there must be enhanced and qualitative change in agriculture and food security for our people. We believe there must be decisive transfer of technology and of innovation, and that we must play a role as Africans in this regard. We believe our conference must affirm that as Africans we wish to see investment in infrastructure, including health infrastructure, in order to address the shortcomings that all of us identified during the COVID-19 pandemic period. We believe we must be courageous in ensuring that we build and strengthen democratic institutions, and this must be part of what we discuss. We believe that as Africans, both on the continent and in the diaspora, we cannot neglect the development of our people through quality education. We cannot neglect capacity building and the right skills to pursue development. We cannot neglect education, training, research, and innovation. And we want to encourage the Congress to ensure that none of these themes are left out of our consideration. So, dear Professor, Chair of our high-level panel, I want to assure you of South Africa's commitment to the agenda that you and the leadership of the Republic of Togo are pursuing. We congratulate you for putting this theme on the agenda of the African Union. All of us know that we are living in a very difficult world. The global community is at odds with each other. But this is the moment for us as Africans to ensure a different outcome for ourselves. So we look forward to making a meaningful contribution, which we hope will create a vision which mirrors and links to the vision that was conceived in the early congresses by the founders of this Pan-African movement. Let us move to unity. Let us move to African development. Let us move to radical transformation of the life of the people of Africa. I thank you for this opportunity, and I hope that this launch leads to the best Congress, which will be held in Lomé, Togo, and which will radically alter the life of the people of Africa. I thank you. And we thank you very much for all the brilliant and inspiring words, Her Excellency Ms. Nkwana Mashabane, South African Minister of International Relations and Cooperation. Thank you for sharing the same vision with the leaders of Togo in Africa of creating all together the same Africa, the same continent, and to work in concert for the same country, the same continent, and sharing and preserving our identity. Thank you very much. And Claudicia, at this stage, ladies and gentlemen, I would like to invite His Excellency Mr. Jean-Claude Ngakoso, the Congolese Minister of Foreign Affairs of the Francophone and Congolese abroad. Please welcome His Excellency Jean-Claude Ngakoso. Excellence, Madame le Premier ministre de la République togolaise, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, mon cher Robert, Mesdames et Messieurs les ministres
du gouvernement togolais, Madame la ministre sud-africaine des Relations internationales, ma chère Pandor, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distinguées personnalités, Mesdames, Messieurs, quel noble projet que ce 9e congrès panafricain à venir, et qui a vocation à réveiller l'Afrique de sa torpeur, à la secouer et à la projeter dans le futur. Projet et projection pour une Afrique politiquement unie et économiquement prospère. Une Afrique puissante et généreuse en même temps. Une Afrique définitivement libre et démocratique. Mais pour que cela soit possible, cela doit être possible. Il nous faut absolument changer de paradigme, comme le disait Claudie tout à l'heure, notamment en faisant du travail, et je pèse le mot, en faisant du travail notre seconde religion. En clair, nous devons sublimer le travail et le labeur. Nous devons redoubler nos efforts et les mutualiser sur l'ensemble du continent afin de répandre partout aux quatre coins de notre terre sacrée les lumières de l'intelligence et le doux parfum du bonheur. Ce n'est qu'à ce prix, chers amis, que l'Afrique, notre beau continent, aujourd'hui déserté et trahi par une frange de sa jeunesse, pourra redevenir pleinement ce qu'elle n'aurait dû jamais cesser d'être dans nos cœurs, à savoir le continent où il fait vraiment bon vivre pour nous tous. Un continent qui tire sa force de l'extraordinaire diversité de ses traditions millénaires et qui est aujourd'hui appelé à exhumer la mémoire de son antiquité. Un continent totalement affranchi de ces superstitions moyenâgeuses qui perdurent encore dans nos sociétés et de ces croyances surannées alimentées par l'ignorance depuis la nuit des temps. Un continent, mes chers amis, où chacun respecte la dignité de l'autre et où, par choix délibéré, des hommes et des femmes d'ascendance naturellement diverses s'unissent solidement dans le respect de leurs différences, dans la fraternité retrouvée, la justice et la paix. Un continent qui sublime l'amour du travail, l'égalité des chances, la solidarité, l'entraide et le partage, et qui tient éloigné comme la peste l'attisement de vaines rivalités entre ces communautés. Un continent qui, en lieu et place des murs artificiels, j'ose pas prononcer le mot frontière, des murs artificiels entre ces peuples, construit ponts et passerelles. Un continent démocratique et écologique, où chacun vit dans un environnement sain et assume pleinement son destin. Un continent qui doit avoir voix au chapitre au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, tout en inscrivant l'une de ses langues. Il faut en avoir le courage, tout en inscrivant l'une de ses langues comme langue de travail au sein de ce cénacle planétaire. Enfin, un continent où l'engagement politique doit être désormais un véritable sacerdoce, tandis que l'action publique ne doit viser qu'un but, à savoir apporter partout la prospérité et la félicité à nos peuples solidaires. Tel est
Madame la Première ministre, cher Robert, telle est à mes yeux la quintessence de ce 9e congrès panafricain dont je salue l'initiative et l'avènement prochain et pour lequel je rends un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République togolaise pour son leadership. Vive l'unité africaine, vive l'Union africaine, je vous remercie. Monsieur Jean-Claude Cardoso, Merci Excellence, ministre des Affaires étrangères du Congo, homme de culture s'il en est, grand spécialiste d'Aimé Césaire et amoureux d'Aimé Césaire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Accueillons maintenant l'homme, la cheville ouvrière, je le dis ainsi, sans qui finalement ce congrès panafricain, 9e du nom, serait resté un simple projet, un vœu pieux. Il a su fédérer les énergies, rassembler les instances nécessaires à l'annonce et donc la création de ce 9e congrès panafricain. Il a su fédérer d'Alger au Cap, de Dar es Salaam à Dakar, en passant par Yaoundé. Son Excellence, le professeur Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Merci, cher ami Claudie. Excellence, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République togolaise, Madame la ministre des Affaires étrangères de la République d'Afrique du Sud, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République Sœur du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues du gouvernement togolais, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des représentants des organisations internationales accréditées auprès de la République togolaise, vénérés chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux et acteurs du monde intellectuel, culturel, scientifique et politique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des groupes cibles, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des médias nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs, chers invités aussi en ligne, distingués invités, l'Afrique tout entière et l'Afrique des diasporas et afro-descendants ont leurs yeux tournés vers Lomé, où se tient actuellement, en ce moment même, la cérémonie de lancement solennel du 9e congrès panafricain 2024 par Madame la Première ministre. Mesdames et Messieurs, étant donné que, et à défaut d'attendre qu'une langue africaine soit parlée aux Nations Unies, nous avons déjà le Swahili, il y a le ministre Babara qui a proposé le Loso comme langue internationale. Les Togolaises et les Togolais ont tout compris. Ladies and gentlemen, the foundation of the tradition of Pan-Africanism congresses is rooted in the desire for emancipation and the attachment of the people of Africa and Africa descent in the diaspora to what Aimé Césaire called the right to historical initiative, to be freedom and dignity of which racism and colonialism domination
indubitably reflected the negation. Pan-Africanism was the precursor and most representative of the African anti-colonialist liberation movement that developed, as you know yourself, in the 20th century and was the intellectual, ideological, and political expression of the struggle of our peoples for freedom. People dominated in history by other peoples have always developed a strategy of resistance, and collective survival and Pan-Africanism has been a movement of collective hope for Africa in its diaspora and Afro descendant. A very deep feeling animated them all, that of being of all African interested in the same cause, just as Kwame Nkrumah says, all people of Africa descend, whether they live in North or South Africa, South America, in the Caribbean, and in any other part of the world, are African and belong to the African nation. Or better, Mr. George Padmore affirms the idea of Pan-Africanism arises first as a manifestation of fraternal solidarity between African and people of African descent. Ladies and gentlemen, the decision to hold the ninth Pan-African Congress in 2024 in Lomé responds both to the concern to ensure historical continuity to the Pan-African movement and to reaffirm its paradigm importance in the current world in decomposition and recomposition. La part faite à l'Afrique dans la marche du monde aujourd'hui est inacceptable. Et le panafricanisme demeure une chance pour l'Afrique, les Africains et les personnes d'ascendance africaine dans le monde. En prenant en février dernier la décision relative à l'organisation du 9e congrès panafricain sur le thème « Renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales », mobiliser les ressources et se réinventer pour agir. Sur proposition du Togo, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a pris la pleine mesure des enjeux et des défis actuels de notre continent. Le thème retenu pour le congrès de 2024, comme vous l'aviez si bien mentionné, Madame la Première ministre et chers collègues, fait clairement de la question de la réforme des institutions multilatérales de coopération internationale une préoccupation pan-africaine. Ce qui est tout à fait logique, puisque le dit Cheikh Anta Diop, on ne saurait échapper aux nécessités du moment historique auquel on appartient. Le Congrès panafricain de Lomé sera l'occasion privilégiée pour les Africains vivant sur le continent et hors d'Afrique, la diaspora et les Afro-descendants, de s'interroger sur la question de leur devenir dans un monde de plus en plus instable,
marquée par des crises multiples et en panne de responsabilité collective et de gouvernance concertée impliquant véritablement le continent africain. Le Congrès aboutira sans nul doute à l'adoption d'une déclaration qui définira les nouvelles orientations devant assurer à l'Afrique une participation active à la gestion des problèmes liés aux grands enjeux du monde contemporain. Lors du congrès de Lomé, un regard particulier sera accordé à une implication de plus en plus grande de l'Afrique dans tous les processus de négociation et de la nouvelle architecture de la gouvernance mondiale. Les pays africains, soyez-en sûrs, plaideront à cette occasion au processus de réforme des institutions multilatérales. Mesdames et messieurs, la présente cérémonie marque une étape importante dans les préparatifs du Congrès. Permettez-moi de saisir cette occasion, Madame la Première ministre, pour exprimer toute notre gratitude à Son Excellence Faure Sozimnia Nyasingbe, président de la République togolaise, pour son engagement réaffirmé au service de la cause africaine à travers le projet d'organisation du 9e Congrès panafricain 2024. I would also like to express my sincere thanks to the African Union Commission, co-organizer of the Congress, to the High Committee responsible for 2021-2031 agenda, decade of African roots and African diaspora, and to the other actors concerned for the commitment to serving the continent and the Pan-African cause. The tone to set today and the countdown begins, leading us gradually towards the holding of the Congress. Several activities will be carried out in the coming months and will consolidate the achievements of the preparation underway. This will include, among others, the installation meeting of the members of International Committee of the Congress, the International Mobilization and Communication Campaign, the installation meeting of the subcommittees in charge of thematic work of the Pan-Africanism Revival Tour through several countries. To conclude, I would like to invite every African to take ownership of the question of the future of Africa in history and to work more so that we can together breathe new dynamism into the African Renaissance in the movement of Pan-Africanism. It's appropriate to recall these grandiose words from, once again, Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah say, "The resources are there. It's up to us to mobilize them, to devote them to the active service of our peoples. If we do not do this through concerted effort, we film the framework of our common planning, we will not progress at the pace demanded by today's events and the will of our people. The symptoms of our disorders
will only increase, and these disorders themselves will become chronic. It will be too late event for Pan-African unity to assure us of stability and tranquility in our efforts to create a continent of social justice and material well-being. Long live the Pan-African ideal, long live African Brotherhood, et je vous remercie pour votre très aimable, très gentil et très beau sourire. And we thank you very much, Professor Roberto Se, Togolese Minister of Foreign Affairs, Regional Integration, and the Togolese of our board for this inspiring and encouraging statement. Thank you for this ambition of bringing all children of Africa together to think and work and tu veux et avoir des, non, mais, trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Tu sais, justement, ce n'est pas la peine de traduire parce que le ministre a tout dit en anglais, en français. Il a fait ça et très bien. Et je résume. Il a fait ça très bien. Très bien. Bien mieux que nous. Merci et encore, monsieur le ministre. Merci infiniment. Un peu d'espace, s'il vous plaît. Et le ministre nous l'a dit, nous sommes effectivement, puisqu'il y a salué celles et ceux qui nous suivent en distanciel, dans 30 pays, des journalistes suivent justement ce lancement officiel du 9e congrès panafricain, Lomé 2024, et puis bien plus que cela, à travers le monde, grâce aux réseaux sociaux, à nos réseaux sociaux, créés pour l'occasion, mais qui ne s'arrêteront pas après cette conférence, ils perdureront dans le temps. On vous en dira un petit peu plus tout à l'heure, mais tout de suite, chère Charlotte, nous allons présenter le logo officiel. Le logo officiel donc du 9e congrès panafricain de Lomé 2024. Lomé 2024, il va apparaître là, dans vos écrans. Nous allons disparaître des écrans parce que nous sommes secondaires, là. Voilà, il est là. Il a été créé par une société de communication afro-américaine. Vous voyez, les racines, les rhizomes identitaires, tout est lié. Applaudissements, s'il vous plaît, si vous le souhaitez. Voilà, nous sommes assez fiers de notre logo. Évidemment, comme tout logo, il évoluera. Il nous reste du temps avant le sommet lui-même. Dans quelques semaines, dans quelques mois, vous aurez la date. Mais là, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Puisque nous parlons des États-Unis, je vous disais que notre logo a été créé par une société donc afro-américaine. Accueillons un fils d'Afrique, natif de Côte d'Ivoire. Il est enseignant. Il enseigne à l'université de Lincoln, Pennsylvanie, là où d'ailleurs Kwame Nkrumah a étudié. C'est un homme dont le monde découvre le travail au fil des semaines, j'ai envie de dire au fil des jours. Je vous demande d'accueillir le professeur Gervais Nyaka Lagoké. Madame la Première ministre du gouvernement du Togo, mesdames et messieurs les ministres, et chers diplomates et auguste assemblée, la question que certains d'entre vous se poseraient, c'est de savoir qu'est-ce que je dirais maintenant, après cette belle présentation du lancement, par rapport au travail qui a été fait par Claudicia, et les différents discours des ministres que j'ai entendus qui ont parlé du panafricanisme avec autorité. Avant de répondre à cette préoccupation, je voudrais remercier Claudicia. Il m'a découvert en février. C'est lui qui m'a présenté au ministre, son Excellence professeur Robert Dussé, et qui a voulu que je sois ici. Et quand j'ai parlé avec le ministre, il y a eu la connexion tout de suite, et sans même imaginer que je me retrouverais au Togo
avec le plus grand nombre de ministres que j'ai jamais vu dans ma vie, j'ai accepté que je suis ici. Je voudrais vraiment remercier le ministre Robert Dussé du fond du cœur et remercier Claudicia. Maintenant, comme c'est ce que je fais, donc je vais essayer de renforcer ce que les uns et les autres ont dit, mais je vais essayer d'apporter une certaine réinterprétation de ce que c'est que le panafricanisme. Si je devais donner un sujet à ma présentation, en anglais, j'appellerais cela « the schematic of panafricanism ». En français, je pourrais appeler cela « l'ossature ou l'anatomie du panafricanisme ». Comme on m'a donné 4 minutes et que j'ai déjà pris 45 secondes pour remercier les uns et les autres, je vais aller très rapidement. Le panafricanisme est un mot, c'est un concept, c'est une idéologie multidimensionnelle, spirituelle, politique, culturelle, économique et sociale. Le mouvement est né officiellement en 1900 avec le mot qui a été utilisé par Henry Sylvester Williams à la conférence de Londres. Mais avant la première conférence de Londres, il y avait 4 catégories de phénomènes, 4. Une série de systèmes d'oppression, l'esclavage, pour être uni, il faut avoir été dispersé, l'esclavage, la colonisation, la ségrégation, le néocolonialisme, le néolibéralisme. Voici autant de systèmes qui divisent, qui brisent et qui exploitent l'Afrique. La deuxième catégorie de phénomènes, c'est la série des théories racistes, ce qu'on appelle en anglais, white supremacy, la suprématie blanche, le racisme, le darwinisme social et le fardeau de l'homme blanc qui se sent investi d'une mission d'apporter une civilisation à l'humanité et d'exploiter les autres. Et la troisième catégorie de phénomènes, c'est la série des révolutions. Il y a des révolutions politiques et des révolutions économiques. La série des révolutions politiques, la révolution américaine qui a entraîné le principe de l'unité, les États-Unis d'Amérique, et puis qui a inspiré la révolution française de 1789, qui, elle, à son tour, a inspiré la révolution haïtienne de 1791 en 1804, et la révolution haïtienne qui allait donner un certain espoir à tous les esclaves dans l'hémisphère ouest. Et après ces 3 révolutions, on peut parler de la révolution industrielle qui a conduit à l'exploitation des ressources de l'Afrique et qui a donné naissance à une série de mouvements, le féminisme et la montée des nationalismes qu'on a vu quand on était en train d'étudier au collège de 1871 à 1914. C'est d'ailleurs la quatrième catégorie des phénomènes, la montée des nationalismes, avec le panslavisme pour l'unité des Slaves, le pan-germanisme, l'unité des Allemands, la question de l'unité italienne. C'est dans ce contexte que les descendants d'esclaves ou des gens qui étaient encore esclaves ont conçu des phénomènes similaires. C'est ainsi qu'ils ont commencé à parler de panégrisme, le mot de W.B. Du Bois en 1898, et Henry Sylvester Williams a employé le mot panafricanisme. Voici les 4 catégories. Et il y a eu ensuite 3 mouvements qui ont précédé le panafricanisme en tant que mouvement articulé. L'éthiopianisme, du fait que l'Éthiopie était une certaine utopie noble pour tous les peuples des descendants africains, et l'Éthiopie avait vaincu. En 1887, Dongali, les Italiens, et en 1887, Dongali, 1896, la bataille d'Adwa. Et c'est ainsi que les peuples de descendance et d'ascendance africaine allaient se retrouver dans l'Italie et dans l'Éthiopie, qui était le symbole de la dignité africaine. C'est d'ailleurs pour cela que le drapeau de l'Éthiopie allait inspirer Kwame Nkrumah. Quand vous voyez tous les drapeaux des pays africains, la plupart
Togo, rouge, jaune, vert. Ghana, rouge, jaune, vert. Mali, rouge, jaune, vert. C'est l'expression du panafricanisme. Il tire cela du drapeau de Ménélique II après la bataille d'Adwa en 1896. Et donc, il y a eu donc l'éthiopianisme, qui est un mouvement culturel pour la séparation des églises tenues par les Noirs. Et il y a eu le panégrisme dont j'ai parlé. Et il y a le retour en Afrique, en anglais « back to Africa », à travers lequel le Libéria a été créé, une invention américaine, et la Sierra Leone, une invention britannique. Ce sont donc ces trois mouvements qui allaient se mettre ensemble pour donner naissance au panafricanisme en 1900. Maintenant, et assez rapidement, je vais vous parler de l'évolution du panafricanisme. Ici, une phrase pour mieux expliquer. Il y a des leaders qui viennent, qui organisent des rassemblements auxquels ils donnent des noms et puis qui contribuent à l'évolution graduelle ou gradationnelle du mouvement panafricain. Henry Sylvester Williams, en 1900, emploie le mot. W. Du Bois, dont on a tant parlé, vient et théorise le concept. Marcus Garvey, dont on a parlé, vient avec son Universal Negro Improvement Association. Il vient et il transforme le mouvement panafricain en un mouvement de masse. Des dizaines de milliers de personnes qui se mobilisaient pendant ces conventions à lui. Du Bois, congrès. Henry Sylvester Williams, conférence. Marcus Garvey, convention. Nkrumah, qui était au congrès de Manchester en 1945, vient au Ghana, lutte, et lui, il vient avec une nouvelle série de rassemblements panafricains qu'on appelle le All African People's Conference, ou encore en français, la conférence de tous les peuples africains. Et donc, avant la conférence de tous les peuples africains qui a eu lieu, la première, en décembre 1958 au Ghana, il y a eu la conférence des États africains indépendants. Et là, hommage au Maroc, à la Tunisie, à l'Algérie, à tous ces pays qui étaient indépendants un peu avant le Ghana, mais le Ghana allait être le premier pays noir à être indépendant au sud du Sahara. À la conférence des peuples, à la conférence des États africains, le débat qui se posait, c'était la question de l'Algérie, qui était le problème fondamental, et surtout, Nkrumah disait, le Sahara ne nous divise plus. Et comme le professeur Dussé l'a dit, Nkrumah voulait, en lançant le concept de la personnalité africaine qui avait été articulé par Blyden, Nkrumah vient avec le concept de la personnalité africaine. Cette fois-ci, ce n'est plus la question du noir, mais c'est un concept multiracial. En 56, en 58, à la conférence des peuples africains, cela a été renforcé. Le panafricanisme, ce n'est plus une question de noir à partir de 1958. Et donc, la notion de l'identité du noir n'est plus une question de noir à partir de la conférence de 1958. Et donc, pour aller plus rapidement, à cette conférence de 1958, l'indépendance et la journée pour la liberté de l'Afrique, 15 avril, pour la conférence des États africains indépendants, a été confirmée pendant la conférence des peuples africains. Et après, la guerre froide, les compétitions, les divisions, et cela a conduit à la formation de l'OUA. Mais Nkrumah amène le panafricanisme au niveau de l'État. L'OUA amène le panafricanisme au niveau du continent. Malcolm X, qui crée l'organisation de l'unité afro-américaine en 1964, amène le panafricanisme au niveau de la diaspora. Quand donc l'Union africaine décide de faire de la diaspora la sixième région, après les cinq régions africaines, c'est un hommage à Malcolm X qui avait naturellement créé cette organisation pour promouvoir le panafricanisme et renforcer les liens entre l'Afrique et puis et ses différents peuples. Alors, voilà un peu la dimension anatomique du panafricanisme, et je vais terminer par des remarques personnelles. Le panafricanisme est une idée éternelle. On nous a fait croire que on n'avait rien fait, que ce n'est pas possible qu'on travaille ensemble. Par l'historique que j'ai donnée, vous avez vu que dans les années 50 et années 60, l'Algérie, le Maroc, l'Éthiopie, la Tunisie, les pays d'Afrique et d'ailleurs
ont soutenu le combat pour la décolonisation et pour la fin de l'apartheid. Quand Nelson Mandela sort de prison et que Mandela devient le premier président de l'Afrique du Sud, le panafricanisme, qui à un moment donné était entremêlé dans des guerres doctrinales entre capitalisme et socialisme, Néré, Nkrumah, tous ces leaders défendaient le socialisme. Mais avec Nelson Mandela, il y a la revendication de l'Afrique des valeurs endogènes, dont la philosophie Ubuntu, qui met l'accent sur le collectivisme africain et sur l'humanité. Et c'est pour cela que nous estimons que dans le panafricanisme du XXIe siècle, l'idéologie à positionner grâce à la rectification des Sud-Africains doit être, contrairement à ce que nos ancêtres ont fait, la philosophie Ubuntu qu'on trouve en Lingala Bomoto, qu'on trouve en Luganda Bantu, en Shona Unhu, chez les Zakan, on appelle ça Mpuntu, Mamdu chez les Ibo, Ntu au Kenya. Sur 2000 langues africaines, il y a entre 600 et 900 langues bantu ou bantoïdes qui font la promotion de ce concept que les musulmans appellent Ouma. Donc, le panafricanisme est une religion politique. Et quand on estimait qu'on voulait voir nos leaders défendre le panafricanisme qu'on le souhaite, je n'avais jamais imaginé, professeur Dussé, que le Togo serait donc la réponse à nos désirs profonds. Et je souhaiterais qu'après le Togo, que ce soit le Congo, que ce soit le Niger, que ce soit encore l'Afrique du Sud, c'est quand on voit nos leaders et nous en train de discuter, les Occidentaux se rendront compte, comme on le dit en anglais, that we mean business. Merci une fois de plus au gouvernement du Togo. Merci au professeur Wilfred Dussé. Merci à tout le reste. Et je vous remercie. Nous étions là dans un amphithéâtre, nous avons pris un cours et avec bonheur, oui, c'était 4 minutes, pas plus. Hein. Hein, vous avez compté, c'était pas plus de 4 minutes. Monsieur le professeur Gervais, Niakanago, qui est encore pour lui, s'il vous plaît. Et merci beaucoup d'avoir rappelé la bataille d'Adwa. L'occasion de rappeler également que l'Éthiopie est un des deux pays qui n'a pas subi la colonisation. Il a été occupé en 1936 par l'Italie, qui voulait justement se venger. Mussolini voulait venger la bataille d'Adwa, là où Ménélique II a écrasé les armées italiennes, et puis le Liberia, évidemment. Je pense qu'en 2024, au moment des ateliers, des plénières du professeur, ils et elles seront nombreux à l'entendre. Hello.
L'ensemble traditionnel de Tom Le Griot, s'il vous plaît, que je vous demande d'applaudir bien plus fort que ça. C'est la tradition. Ce sont nos racines, c'est ce qu'il y a en nous et que nous transportons là où nous allons. L'afro-descendant que je suis, même si je préfère l'expression africain de la Caraïbe, de la Guadeloupe, lorsque j'entends les traditions sur notre continent, ce sont les mêmes rythmes que j'entends chez moi. J'appelle le groka. Les tambours, les chants, les danses, la syncopée. Ce sont les mêmes saveurs, c'est la même puissance. Ce sont ces musiques-là que nous utilisons lorsque l'époque ou la période est difficile, tragique. Ce sont les tambours qui parlent. Alors, je m'interroge toujours. Puisque ce lien-là est très fort, puisque le panafricanisme politique est encore dans le combat, dans les marigots, dans les sables mouvants, il remporte des victoires, mais il y a tant de victoires à glaner ici et là. Le panafricanisme culturel, lui, il est là, il existe. Il remporte des victoires extraordinaires. Aujourd'hui, en termes de musique, nous donnons le tempo au reste du monde. Alors je me dis, comment se fait-il que notre continent... Bon nombre d'intervenants l'ont dit, ont parlé de ce lien très fort. Comment se fait-il que l'Afrique ait oublié les millions d'Africains déportés vers la péninsule arabique, vers l'océan Indien, les Caraïbes et les Amériques, déportés pour être des bêtes de somme, des esclaves, des moins que rien, des matricules sur des registres, en dehors de l'humanité? Comment se fait-il que l'Afrique ait oublié ses femmes, ses hommes et ses enfants? Sur le continent où le culte des ancêtres est important, il est nécessaire, il est au cœur de nos identités, comment se fait-il que l'Afrique ait oublié ses millions de femmes, d'enfants et d'hommes déportés durant des siècles pour être esclaves? Permettez-moi une comparaison. Je sais que comparaison n'est pas raison. Et si elle vous semble déplacée, pardonnez-moi. Qui peut imaginer aujourd'hui qu'Israël n'honore pas la mémoire de ses enfants morts dans les camps de concentration, dans cette barbarie nazie? Comment pourrait-on expliquer que seule l'Allemagne honore ces victimes-là? Pourquoi aujourd'hui, c'est en France qu'on honore les millions d'Africains déportés? Parce que justement les Afro-descendants ont fait un travail et que l'Afrique, dans ses instances continentales, ait oublié ses enfants déportés. Alors, nous sommes le 22 mai aujourd'hui et au moment où nous sommes réunis, où cette union est très forte, le 22 mai est le jour de l'application de l'abolition de l'esclavage à la Martinique. En Martinique, même si ce n'est pas sur tout le territoire français, mais en Martinique, les gens ne travaillent pas. C'est un jour chômé. Les tambours sortent, les voix, et on se recueille à la mémoire de nos ancêtres africains déportés. Si vous voulez. Madame la Première ministre, cher Robert Dussey, je suis désolé, je vais manquer à tous les protocoles. Et j'espère là encore ne pas choquer. Mais je vais vous demander d'observer, de poser un acte historique. Car pour la première fois, des représentants du continent ici réunis vont envoyer un message à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent dans l'océan Indien, les Caraïbes et les Amériques.
Et si ensemble nous observions une minute de silence à la mémoire des millions d'Africains déportés pour être esclaves, aux victimes de la colonisation et à tous ces jeunes qui meurent en mer et dans le désert. Je vous remercie. Thank you. Je vous remercie vraiment, profondément, sincèrement. Nombreux sont, nous avons parlé du panafricanisme culturel. Elles et ils sont nombreux à soutenir ce 9e congrès panafricain Lomé 2024. Certains ont souhaité s'exprimer, sont des personnalités du monde de la culture, et on va commencer ce petit extrait avec un homme qui fut un grand footballeur international, dont les fils aujourd'hui sont de grands footballeurs. Il est aujourd'hui écrivain, essayiste et homme engagé. Je suis Lilian Thuram. Je soutiens le 9e congrès panafricain. Le monde a besoin d'une Afrique unie. Je soutiens donc le 9e congrès panafricaniste parce que l'Afrique n'est pas démunie, mais seulement désunie. C'est à Wadi Soukona à l'international. Je suis Tiken Diafakoli. Je soutiens totalement le 9e congrès panafricain. Pour aller à Lomé. L'Afrique a besoin de solidarité, d'unité, de rassemblement de ses fils. Et notre objectif principal, c'est l'unité africaine. Et l'Afrique sont ensemble pour gagner tous les combats. Ce congrès nous permettra d'avancer encore vers cette unité. C'est Salif Keïta. Je soutiens le 9e congrès panafricain. Pour l'unité africaine, pour une Afrique très unie, plus unie que jamais. Ce n'est plus le moment de dire, c'est le moment de faire pour relever les défis qui nous attendent. Je suis Hassan Fou. Je viens juste à travers cette vidéo vous annoncer la tenue du 9e congrès panafricain qui aura lieu en 2024 dans la capitale togolaise. Donc je suis très heureux de savoir que toutes les forces vivent de l'Afrique se retrouveront à Lomé à l'occasion de ce congrès-là pour débattre autour de tout ce qui a trait au développement de notre continent. Je suis panafricain, donc j'adhère totalement au projet. Donnons-nous rendez-vous à Lomé pour le lancement de ce congrès. Merci à tous ces artistes qui transportent au-delà de nos frontières les valeurs africaines par la musique. Et occasion de dire encore une fois merci au leader du groupe Magic System Asafo qui, au travers de son initiative Le Femia, a accordé une place spéciale cette année au Togo, qui a été le pays invité d'honneur à la 15e édition du Femia, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. Et les couleurs du drapeau togolais, le 228, ont été portées fièrement par Centrinos Raphaël. Merci au groupe Magic System et à son leader, une fois encore, Asaf. Merci pour lui. Vous pouvez l'applaudir si vous le souhaitez. Merci pour lui. Recevons tout de suite, justement, un grand homme de culture. Nous sommes très honorés de sa présence, comme toutes celles et tous ceux qui se sont succédés sur cette scène, à ce pupitre. Il est sénégalais, il est aussi juriste et diplomate international. Il fut rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination, de xénophobie et d'intolérance. Je vous demande d'accueillir Monsieur Doudou Diène. Thank you.
vais préparer un texte, mais je pense que je vais m'inspirer de la sagesse, monsieur le ministre Bantou, qui dit que quand il fait un discours, il y a pitié pour ceux qui écoutent. Et donc, je vais essayer de contribuer à ma manière, je l'ai dit au ministre tout à l'heure, en tant qu'intellectuel. Moi, j'ai travaillé à l'UNESCO 30 ans. J'ai dirigé le dialogue interculturel, interreligieux, c'est la route de la soie, en Chine, en Mongolie ou ailleurs. Et le dialogue interreligieux. Et donc, mon travail a toujours été à la fois un travail d'approfondissement des concepts, mais également de revisitation critique des concepts. Donc, c'est ça que je voudrais, monsieur le ministre, vous apporter. Donc, quelques réflexions critiques. Parce que nous sommes dans une longue route. Et vous avez bien fait, et Claudie, de montrer les figures tutélaires du panafricanisme en oubliant les millions de victimes anonymes, silencieuses, torturées, massacrées, et auxquelles il faut penser. Et donc, je pense que notre devoir pour que cette initiative historique du Togo puisse contribuer à cette longue marche. Quelques réflexions critiques. Il y a un proverbe africain qui dit que dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s'embrassent. Les branches des arbres, c'est la diversité humaine, culturelle, religieuse. Elles se querellent à cause de l'histoire, l'idéologie, tout ce qu'on veut. Et ce que cette sagesse africaine dit, c'est que la solution n'est pas de couper les branches, mais d'aller aux racines qui s'embrassent. Et les racines, c'est les valeurs universelles d'amour, de compassion, de solidarité, etc. Et qu'il faut faire en sorte que ces racines qui s'embrassent remontent aux branches pour que les branches restent branches dans leur diversité, ethnique, religieuse ou culturelle. Et donc, tout le défi, c'est le tronc. Le tronc, c'est la société dans laquelle nous vivons tous. C'est là qu'il faut travailler. Et c'est les changements dans le tronc qui vont faire en sorte que les branches, la merveilleuse diversité du monde, puissent se maintenir. Donc, quelques réflexions critiques. Le premier point, c'est le concept même de panafricain. Il va falloir que nous revisitions ce concept. Il va falloir éviter que ce concept ne devienne un mantra, quelque chose qu'on répète comme ça, et qui est, nous le savons, instrumentalisé par le néolibéralisme. C'est-à-dire, la force du néolibéralisme, c'est de vider les concepts de leur contenu et de laisser la forme, et de faire de nous des zombies. Que répétons des concepts. Donc, la première démarche, monsieur le ministre, qu'il va falloir d'ici 2024 faire, c'est d'éviter le piège de la racialisation du concept de panafricain. Le panafricain parle d'Africain. Et l'Afrique est plurielle dans sa culture, sa diversité, ses races, ses couleurs. Et donc, il est absolument important que dans le processus, nous redonnions au concept d'Africain ce sens profond que ce proverbe de tout à l'heure africain voulait dire. C'est-à-dire l'immense richesse de la diversité de l'Afrique. L'Afrique est le continent dont la diversité est absolument inouïe sur tous les plans. Donc, première démarche critique, monsieur le ministre, d'ici 2024. Pourquoi je le dis? Parce qu'un événement récent nous interpelle. Il n'a pas été mentionné dans beaucoup de discours pour des raisons diverses. C'est le discours du président tunisien qui n'a pas fait l'objet de réflexion ou de réaction des politiques. Mais nous savons qu'il a touché en profondeur les sociétés.
Et nous savons que c'est une sorte de mouvement tellurique qui secoue les sociétés africaines, silencieusement mais profondément. Et cette phrase du président tunisien révèle un des deuxièmes problèmes critiques du panafricanisme, l'identité. Parce que le président tunisien a parlé d'identité arabe et musulmane, pour dire que la Tunisie était en dehors. Et le concept d'identité, il va falloir le revisiter aussi. Parce que ce que l'Afrique nous a appris dans toute son histoire très profonde, c'est que l'identité, elle est une construction, elle est plurielle. Et l'Afrique a toujours réussi à éviter les pièges de la clôture identitaire, raciale, ethnique ou religieuse. Claudie, c'est ça le génie de Aimé Césaire, de Fanon, de Senghor. L'idéologie racialiste du 19e siècle, qui a été construite pour légitimer l'esclavage, cette idéologie, son fondement est littéralement d'enfermer, d'inventer plutôt, la racialisation, l'essentialisation de l'homme noir qu'on était en train de déporter pour légitimer la vente d'êtres humains comme esclaves. Il fallait intellectuellement, scientifiquement, philosophiquement, le légitimer. Donc, l'essentialisation raciale. Et donc, il est absolument capital que nous revisitions de manière critique cette essentialisation et que nous n'essentialisons la notion de panafricanisme. Et c'est en cela que la troisième réaction critique que je vous propose. Beaucoup d'entre vous ont parlé de diaspora. Moi, je travaille sur l'histoire de l'Afrique, du monde, depuis 30 ans à l'UNESCO. Et maintenant, aux droits de l'homme. La notion de diaspora, Claudie, vous n'entendrez pas dans les terres des Amériques du Sud et des Caraïbes où on a déporté les Africains. Et on les a confinés pendant longtemps dans leur couleur de peau. Et dans ces zones où, littéralement, on a implanté le paradigme racial, on l'a mis en œuvre. On a structuré les sociétés en fonction des couleurs. Et où des pays comme l'Argentine et d'autres, l'Argentine, on vient de le voir dans de différentes circonstances, ont décidé de blanchir leur société. Où on a massacré physiquement, comme en Argentine, on mettait les descendants d'Africains dans les guerres avec le Paraguay en tête, et ils étaient massacrés, littéralement. Et ensuite, on les a massacrés socialement, culturellement, et on les a évacués. Et donc, monsieur le ministre, par exemple, ce que les Argentins ne savaient pas, et que nous allons réintroduire dans le débat, c'est que leur fierté culturelle fondamentale, le tango, il est d'origine africaine. Tango est un mot bantou. Et donc, ce que je voulais dire par là, Claudie, c'est que il est capital, comme quatrième réflexion critique, de rentrer dans la réflexion de cette construction. Et cette construction-là, elle n'est pas abstraite. Parce que le racisme ne vient pas du cosmos. Le racisme est une construction de légitimation. Il faut la déconstruire. Intellectuellement, éthiquement, philosophiquement et même scientifiquement. On vient de découvrir, je vous donne l'information, en Angleterre, l'homme de Cheddar, The Cheddar Man, allez à Google tout à l'heure, les savants anglais et américains, multidisciplinaires, ont réussi à déchiffrer les restes humains qui se trouvaient en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, dans la ville de Cheddar, connue comme ville de fromage. Et ils ont découvert que l'ancêtre des Anglais était un homme noir aux yeux bleus. Et ils l'ont reconstitué.
Donc, ce que je veux dire, c'est que dans l'exercice que nous allons faire, il va falloir utiliser toutes ces démarches et ces progrès scientifiques. Et enfin, quatrième point important, monsieur le ministre, quand nous parlons de panafricanisme, beaucoup de discours que j'ai entendus, légitimes, parlent du panafricanisme par rapport à l'Europe, à l'Occident. L'esclavage, oui. La colonisation, oui. Mais l'Afrique est plus vieille que l'Europe. Les hommes sont sortis de l'Afrique bien avant la colonisation et l'esclavage. Donc, le renouveau d'un panafricanisme universel signifie qu'il faut introduire le temps long dans l'histoire du panafricanisme. L'Afrique est dans le Pacifique. Elle est en Inde. Moi, j'ai travaillé en Inde avec les routes de la soie. Le dieu indien le plus aimé est Krishna. Krishna veut dire noir en Telugu. Il est noir, il est peint, tellement noir qu'il est bleu. Et donc, il est extrêmement important de donner à ce concept de panafricanisme, de le sortir du ghetto Afrique-Europe. L'époque de l'histoire historique entre l'Afrique et l'Europe, elle est courte dans l'histoire de l'humanité. Je vais terminer. L'histoire de l'Afrique est plus ancienne. Donc, le temps long, il faut l'introduire dans le débat. Et enfin, dernier point, il est absolument important d'échapper également au piège de la victimisation. Ne plus utiliser les concepts de descendants d'esclaves, mais descendants d'Africains. Parce qu'on a voulu les enfermer dans l'esclavitude. Ils sont descendants d'Africains. C'est pour ça, Claudie, qu'ils n'utilisent jamais les Brésiliens, Colombiens et autres, où j'ai travaillé, où j'étais encore il y a un mois, ne parlent pas de diaspora. Ils parlent d'Afro-Colombiens, d'Afro-Brésiliens, d'Afro-Honduriens. Et maintenant, d'Afro-Béens, c'est-à-dire Européens d'Afrique. C'est important. La domination esclavagiste et raciste était d'abord intellectuelle. On a inventé des concepts. Et donc, il faut revisiter ces concepts et les remettre à leur juste notion et dire d'où elles viennent et à quoi elles servent. Et donc, il faut s'inspirer de ce que Bourdieu, un penseur français, a dit. Il a dit que le dominateur est toujours dominé par sa domination. C'est-à-dire le dominateur invente des concepts pour se légitimer. Il faut rentrer dans ces concepts pour pouvoir effectivement les remettre à jour. Et donc, travailler sur l'universel, le pluralisme et la diversité. Donc voilà quelques réflexions critiques que je voulais apporter à votre débat. Merci. Pluralité des discours, des visions, des regards, mais toujours pour aller dans le même sens, c'est-à-dire cette construction, reconstruction. On va maintenant, Charlotte, présenter nos réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux sur lesquels nous, ici présents dans la salle, nous pouvons suivre, donc, sur, pour être au parfum de toutes les informations en lien avec le 9e congrès panafricain qui aura lieu, bien sûr, en 2024. Alors justement, le fait de vous abonner, je sais que beaucoup ont des téléphones, on a entendu tout à l'heure les téléphones sonner, vous pouvez vous abonner à nos différents comptes et pages, vous connaissez évidemment toutes et tous le principe, africanophone, tiens, le nom de baptême de nos réseaux sociaux, bien c'est grâce au ministre Robert Ducey lui-même à la tribune des Nations Unies, lorsqu'il exprime ce qu'est l'Afrique en disant « on nous a diffusé en Afrique anglophone, Afrique francophone, Afrique lusophone, Afrique arabophone, Afrique hispanophone ». Et il préconisait que nous parlions de façon d'africanophone, africanophonie. Je l'explique très mal, hein, monsieur le ministre, je suis désolé, mais c'est ça. D'où le concept d'africanophone désormais. L'unité passe aussi par là. C'est puisque, Doudou, cher Doudou, c'était pour Dieu, on pourrait citer Sartre qui disait que pour changer les choses, parfois il faut changer les mots.
et ça permet justement de nourrir les imaginaires. Voilà. Et puis, celles et ceux qui nous regardent, puisque nous sommes en direct sur nos réseaux sociaux, et pas seulement, grâce justement à la technologie aujourd'hui, à travers 30 pays, on nous suit, on nous regarde, mais aussi dans bien d'autres pays de la Caraïbe, on nous écoute, on nous regarde, on nous suit, parce que ce moment, encore une fois, comme nous l'avons dit au début avec Charlotte, c'est un moment historique. Il y aura un concours. Et pas oui. Que sur les réseaux sociaux. Pour rappel, nous sommes également en direct sur New World, World TV, ce média qui se veut panafricain. Ton média. Mon média. Ton média. Et exactement. Le média de nous tous, le média de tous les Africains d'ici et d'ailleurs. Applaudissements, s'il vous plaît, pour New World, parce que c'est une belle aventure. C'est aussi par les médias que les choses changent, que les regards changent, que les imaginaires changent et que l'on nourrit justement avec de nouveaux épisodes, de nouvelles histoires, de nouveaux récits, les imaginaires des plus jeunes. Et puis il y aura un concours justement que nous lancerons dans quelques mois, l'hymne du 9e congrès panafricain. Alors c'est vrai, elles sont nombreuses et nombreux, ils sont nombreux à suivre en se disant on attend que les leaders du panafricanisme nous disent quoi faire et quoi dire. Si nous décidons que nous sommes tous dans ce panafricanisme-là, nous sommes tous panafricains, chacun peut jouer son rôle avec ses moyens, avec sa détermination. Alors, nous allons proposer aux unes et aux autres eh bien, de proposer une phrase afin que nous puissions écrire l'hymne du 9e congrès panafricain. Et cet hymne-là sera interprété par quelques grandes figures des musiques d'Afrique, des Caraïbes et des Amériques. Voilà. And don't hesitate. Join us on all our social medias and take part of this challenge and let's all together write the history of Africa. Exactement. Ça va être un grand moment. Tout le monde va se battre pour écrire sa phrase et pour que sa phrase figure parce qu'il y aura les noms de celles et ceux qui auront contribué. Et puis, je sais, vous voulez savoir quelle sera la date exacte, quelles seront les dates. Je suis désolé, cher ministre, je viens déjà de dévoiler. Le congrès panafricain, il n'y aura pas 15 jours. Mais je n'en dis pas plus, je n'en dis pas plus. Dans quelques mois, vous connaîtrez effectivement les dates qui auront été décidées. Et si nous allions rejoindre... Oui ? Oui, mais oui, après, oui, c'est vrai. Tu me rejoins, Charlotte ? Bah oui, entre nous, ça y est, c'est un vrai couple. Alors, merci infiniment, Monsieur le Ministre, cher Doudou, cher Gervais, merci infiniment pour tout ce que vous nous dites, tout ce que nous partageons avec le monde. Et nous avons quand même quelques questions à vous poser, Charlotte. Monsieur le ministre, chers élites d'Afrique, nous assistons en ce moment même ici à Lomé, dans la capitale togolaise, au lancement officiel du 9e congrès panafricain prévu se tenir en 2024, toujours dans la capitale togolaise. Ma question, c'est justement, qu'attendez-vous de ce 9e congrès panafricain ? Monsieur le ministre. Merci. Vous saviez que nous sommes très disciplinés au Togo, donc avec l'autorisation de Madame la Première ministre, je peux répondre. Alors, c'est pour gagner un point au gouvernement, c'est tout. Merci, Madame, pour cette question. Je voudrais rapidement vous dire que, comme vous l'aviez constaté vous-même, l'attente des résultats du 9e congrès est très forte. Elle est une attente continentale, panafricaine, tous les collègues africains, membres du haut comité que préside le Togo, voudraient bien que ce congrès puisse être un congrès d'action. Vous aviez vu tout à l'heure que notre sœur, la ministre des Affaires étrangères de la République sud-africaine, a parlé d'action et de ce que nous devons faire. Donc nous souhaitons que ce congrès puisse prendre une déclaration et que cette déclaration touche des questions essentielles, comme en revenant un peu à la critique de notre aîné cher Doudou, Monsieur Doudou, sur les questions identitaires, les questions du rôle que nous devons, que l'Afrique doit jouer. Nous avions dit, c'est le thème de la conférence
sur dans les institutions internationales. Et nous avions la question également du business, parce que le panafricanisme, comme l'a souligné tout à l'heure certains collègues, c'est sur un plan social, politique, culturel, économique, etc. La contribution exacte de nos frères afrodescendants sur le continent africain. Donc, nous souhaitons que ce congrès puisse nous donner des perspectives, des actions qui seront menées. Et avec la déclaration, nous allons bien sûr, au nom de tous les membres du Haut Comité, présenter ces résultats à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour approbation et décision. Je vous remercie. Merci. Doudou, Doudou Diène, qu'attendez-vous effectivement de ce 9e congrès au-delà de tout ce que vous avez dit? Voilà, je prends le micro du ministre qui marche mieux que le mien. Donc... Ah ben, les ministres. Écoutez, non, ce que j'attends, je pense que, monsieur le ministre, le congrès se passe à la jonction de deux mutations. Il y a une mutation culturelle qui fait qu'il y a une crise identitaire mondiale. D'abord dans les pays qui ont racialisé le concept d'identité, en Europe, qui fait que les partis politiques qui utilisent le paradigme racial sont aux portes du pouvoir, mais également en Afrique, où n'oublions pas, il y a eu le génocide du Rwanda, où des Africains ont tué d'autres Africains. C'est le génocide le plus dense de l'histoire de l'humanité. Donc, j'attends que le Congrès et le processus du Congrès déconstruisent le concept d'identité et montrent ce que justement les descendants d'Africains ont apporté, non pas de se considérer comme victimes, mais comme force de transformation des sociétés multiculturelles dans lesquelles ils sont en train de vivre. Voilà, c'est ce que exactement, exactement. Gervain Yakalagoke. Alors, bon, la première des choses, c'est que je nous invite, voilà, je nous invite avant le lancement, avant la tenue de ce congrès panafricain, à revisiter le panafricanisme. Parce que j'ai le privilège d'être un professeur d'études panafricaines. Et je peux vous dire que tous les jours que Dieu fait, je me sens plus étudiant que professeur. Il y a tellement de choses qui ont été faites par nos devanciers. C'est vrai que Doudou, le doyen Doudou, a proposé la déconstruction du concept de l'identité, du panafricanisme. Mais ça, c'est des choses qui ont été faites à la conférence de 1958. Ça a été fait déjà. Certainement qu'il a quelque chose à ajouter, mais je veux dire que quand on revisite les travaux, si L.A. James de Trinidad a écrit 26 ouvrages, W.B. Du Bois 25, Kwame Nkrumah 14, les contributions de Gamal, Ben Bella, tout ça, on doit les revisiter pour que quand on se rencontre là-bas, on soit suffisamment aguerri et pour pouvoir défendre les différents points de vue. Le deuxième élément, je suis confiant de nature, quand il s'agit du panafricanisme, que ce que le Togo est en train de faire va secouer l'Afrique. Ça, je le dis quand je suis ici, quand je ne suis pas ici. Alors, le Togo, ce n'est pas une terre traditionnellement panafricaine. De telle sorte que quand le Togo prend le leadership, et que des gens se rendent compte que les ministres africains, des activistes, des intellectuels se retrouvent pour parler de l'Afrique, c'est quelque chose de différent. Et je sais que ça va aller beaucoup plus vite. Et donc, comprennent l'engagement à de suivre le leadership du Togo et d'espérer faire mieux afin qu'il y ait une émulation entre les Africains dans les diverses sphères pour que l'Afrique retrouve sa place dans le Conseil des Nations. Merci.
Il y a un mot qui pourrait justement résumer vos trois propos, c'est éducation, éduquer, partager, transmettre. Et c'est peut-être là encore l'une des failles de nos sociétés africaines, qu'elles soient du continent ou dans les Caraïbes et dans les Amériques. Alors depuis 5 ou 6 ans, un panafricanisme se fait jour. Il pose des questions avec parfois virulence, des questions légitimes, fondamentales, sur l'identité, l'économie, avec des femmes et des hommes que devenus désormais célèbres. Je pourrais citer leurs noms, mais je ne le fais pas volontairement pour ne pas que l'on dise « Ah, y a-t-il récupération ?» Donc je fais très attention, mais ce sont des gens qui sont chers à mon cœur. Alors, je voudrais justement, dans une petite vidéo, vous montrer les attentes des uns et des autres, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce qui se partage, et vous réagirez juste après. Regardez. Imaginez un monde dans lequel les Africains sont libres de circuler facilement du Brésil à la Chine en passant par l'Europe. Le visa ? Une simple formalité. Il suffit de présenter un passeport africain pour que les frontières s'ouvrent. Imaginez un monde où il n'y a pas besoin de passer par l'aéroport de Bruxelles pour aller d'un pays africain à un autre. Imaginez des autoroutes entretenues et sécurisées reliant Dakar à Lomé. Des trains qui, au lieu d'exporter les ressources du Congo, permettent à sa population de circuler rapidement sur l'ensemble de son territoire. Imaginez un monde dans lequel les pays africains décident et fixent les prix des matières premières qu'ils exploitent et qu'ils raffinent eux-mêmes, créant des filières d'emploi sécurisées et bien rémunérées. Un monde dans lequel les pays africains peuvent poser des conditions aux entreprises étrangères qui aimeraient exploiter leur sol. Des conditions écologiques, des conditions professionnelles, des conditions fiscales, juridiques. Imaginez un monde dans lequel une monnaie africaine unique permet aux peuples du continent et de la diaspora de ne pas investir tous leurs capitaux dans des devises étrangères. Imaginez une Afrique, cœur de la culture mondiale qui héberge les plus grands festivals de musique produites par les diasporas et les continentaux, qui génère les tendances au niveau de la mode, de la danse, de l'art, une puissance culturelle au rayonnement international. Imaginez une Afrique dans laquelle les gouvernements composent avec des milliers de langues, depuis les langues rurales jusqu'aux argots des grandes villes en passant par les créoles des diasporas, une politique de la traduction symbole d'un universalisme à l'africaine. Imaginez une Afrique dans laquelle les revenus de l'exploitation des matières premières permettent de financer des systèmes d'éducation et de santé révolutionnaires et adaptés aux besoins à la fois des populations urbaines et rurales. Imaginez une Afrique autonome sur le plan alimentaire qui n'a pas besoin ni du pain ni du riz étranger pour survivre et qui récolte des céréales locales, qui produit ses farines et ses boissons. Imaginez les frontières africaines adaptées aux réalités locales avec des confédérations d'États, une décentralisation des pouvoirs entre coalition et autonomie. Imaginez une Afrique capable d'assurer la sécurité de ses citoyens partout sur le continent et dans la diaspora avec des armées équipées, entraînées et correctement rémunérées. Nous ne parlons pas du Wakanda, nous parlons d'unité, de coalition, de coopération, de politique commune. Nous parlons d'un projet politique d'avenir, un projet panafricaniste. Panafricanisme, le mot est à la mode. Dans les diasporas, de nombreuses personnes s'en revendiquent en citant Marcus Garvey ou Thomas Sankara. On rêve d'aider le continent, d'y investir, d'y retourner. Et sur le continent, un autre panafricanisme se forme avec une question concrète. Comment trouver une véritable unité politique entre des États divisés par les langues, les frontières, les monnaies imposées par leurs anciens colonisateurs? Mais déjà, qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui? Qui est légitime à porter un projet panafricain? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? C'est pour répondre à ces questions, pour dessiner les objectifs communs, pour confronter les projets opposés, que 8 congrès panafricains ont été organisés depuis 1900. On ne sort jamais tout à fait d'accord d'un congrès panafricain et c'est précisément pour ça qu'ils sont si importants, pour nous forcer à décider des points sur lesquels nous voulons avancer, malgré nos divergences. 63 ans après les indépendances, la politique africaine en pleine transformation se débarrasse des dernières traces des entraves coloniales. Le moment est venu de créer un rapport de force, d'écrire notre histoire, comme nous l'entendons. Est-ce que vous serez au rendez-vous à Lomé, au Togo, pour le 9e congrès panafricain? Réaction, rapidement, il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce que toutes ces attentes, cette Afrique qui ne serait pas le Wakanda, mais un pays réel, qu'est-ce que ça suscite en vous, tout ce qui vient d'être dit? Franchement, moi, j'ai peur de répondre, Madame la Première ministre, là. C'est comme si vous voulez que je sois vidé du gouvernement. Comme disent les Ivoiriens, ne gâtez pas mon manger. Gervais. Avec votre autorisation, Madame la Première ministre, je pense que, très sérieusement,
Toutes ces questions nous interpellent. Ce sont des questions qui interpellent à la fois les populations, les peuples africains et les gouvernants que nous sommes. Donc, nous prenons acte de ces questions et nous devons travailler pour que l'Afrique soit de plus en plus unie et que l'Afrique soit un continent fort pour le meilleur vivre des populations africaines. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que c'est un bon résumé, finalement. Oui, alors, Charlotte, peut-être une dernière question. Dernière question partagée également par les internautes qui nous suivent. C'est avant 2024, nous serons encore ici à Lomé pour le 9e congrès panafricain. Mais qui est attendu lors de ce grand rendez-vous autour de la question africaine? Est-ce que les activistes, les panafricains, même les plus critiques, seront également là? Très chère madame, soyez rassurée que tout le monde sera invité. La vision du 9e congrès panafricain est d'éviter des divisions entre nous. Nous sommes conscients que c'est comme une famille, hein. Même les enfants ils se bagarrent entre eux. Donc les extrémistes ou ceux qui ne sont pas extrémistes, ceux qui sont constructifs ou pas, ils seront invités à prendre part à ce sommet pour que les résultats soient un résultat qui répondent à plus d'inclusivité autour de la notion du panafricanisme et autour de ce que nous voulons faire de l'Afrique de demain. Je vous remercie. S'il vous plaît. Merci infiniment. Cher ministre, cher Doudou Diène, vous pouvez peut-être ajouter quelque chose, Doudou? Non, simplement pour ajouter que ce qu'en fait, nous espérons que le Congrès va nous permettre de refaire, c'est de se situer dans le temps long. Nous sommes dans une construction qui n'est pas qui ne va pas s'arrêter. Mais nous bénéficions de toute l'expérience, de tout ce qui a été fait, dit, pensé, mais surtout de nos peuples. Et également regarder la scène multiculturelle qui est actuellement en train de se construire dans le monde, partout. Et dans ces scènes-là, Claudie, les descendants d'Africains du Nord ou du Sud sont en train d'investir tous les champs politique, intellectuel, culturel, tu en es un exemple. Du prix Goncourt à l'Opéra de Paris, ailleurs, ils sont là. Ils se battent d'une manière extrêmement profonde. Et c'est extrêmement important de dévictimiser ce que vous appelez la diaspora africaine, mais de les considérer comme des forces de transformation de sociétés multiculturelles. Nous sommes dans une phase d'accouchement de sociétés multiculturelles qui bousculent les identités. Et tous les accouchements sont douloureux. Nous sommes dans cette phase de douleur, verbale, physique, légale. Et les descendants d'Africains sont là pour transformer tout ça. Donc, il faut le construire dans cette dynamique-là. Nous allons maintenant clore ce lancement, cette conférence de lancement du 9e congrès panafricain qui aura bien lieu en 2024 ici à Lomé, et nous serons nombreux venus des quatre coins du monde. On va se quitter en musique. Nous avons commencé en musique, nous allons nous quitter en musique et toujours rappeler que la musique nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort. Elle rythme chaque instant de nos vies. Elle n'est pas qu'un divertissement. Dans les moments de combat, elle est là, en nous, dans nos chants, dans les tambours qui nous accompagnent. Nous avons demandé à une chanteuse qui a une particularité. Une particularité, ouais. Claudicia, il faut le rappeler. Mais comme faut beaucoup le préciser, de gens à travers le monde. Oui. Comme, et oui, mesdames et messieurs, tout comme Bob Marley, ouais. Il y a deux origines. Exactement, mais une seule humanité. Et je regarde Doudou Diène en disant ça, une seule humanité. Lorsque nous l'avons appelée pour lui dire voilà, on aimerait bien que toi, jeune chanteuse à succès, qui t'accompagne de ta kora, cet instrument millénaire, si tu pouvais nous offrir une chanson de circonstance, la chanson de circonstance, pour parler d'unité, pour parler justement de cette Afrique, et des Africains, des Caraïbes, de l'océan Indien, des Amériques et d'ailleurs. Cette chanson, c'est Africa Unite, de Bob Marley, effectivement. Et elle a tout de suite répondu oui. Et un quart d'heure après, elle était déjà au travail. Je vous demande, pour que l'on se quitte, d'applaudir Ljubljana. Merci. Le Cameroun est aussi son pays.
Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon. We're going to our father's land. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Africans. As it been said, children wanna come home. Africa, unite, and we're moving right out of Babylon. We're grooving to our father's land. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Africans. Et l'ensemble des groupes folkloriques qui nous ont accompagnés, merci infiniment à toutes les équipes, merci infiniment à l'hôtel de Février, merci infiniment Madame la Première Ministre pour cet accueil et pour nous permettre d'écrire l'histoire parce que l'histoire s'écrit au présent. Applaudissements s'il vous plaît, merci beaucoup, merci Monsieur le Ministre, cher Robert Dussel. Voilà, nous étions en direct. Merci vraiment, infiniment. Ce moment-là est vraiment un moment historique. On ne s'en rend pas toujours compte, jamais tout de suite, mais au fil des jours, des semaines et des mois, on comprend que l'on a marqué l'histoire par nos présences, par nos actes, et chacun fait ce qu'il peut avec les moyens qui sont les siens. Alors merci beaucoup, encore, merci, vraiment. Merci à tous. On va laisser les photographes. Oui, je te perturbe un peu. Charlotte, les photographes peut-être faire cette belle photo. Et je vous demande, s'il vous plaît, attention. Madame la Première Ministre, puis-je me permettre de venir vous demander, cher ministre, merci beaucoup. Est-ce que les techniciens peuvent m'enlever les demi? Voilà. Voilà. Allez, voilà. Exactement les représentants des délégations. Alors, il ne peut pas y aller. Allez-y. La photo de famille. La photo de famille.
Vais-je pouvoir me glisser? Non. Bon, ben, je vais m'éliminer alors. C'est dommage que cette photo est historique. Je vais me mettre là. Je te laisse faire ton annonce. Oui, merci beaucoup. Merci à tous pour cette photo que l'histoire retiendra. Alors que nous sommes arrivés comme ça à la fin de cette cérémonie, nous allons inviter les officiels. Madame le Premier ministre. Merci, madame. Merci beaucoup.